Bonjour Jacques, tu vas bien? Ça va? Tu vas toi? Bah ça va super. Bon. Regarde, je te ramène un champagne, des champagnes des vignerons, un brut sans année. C'est à toi de nous donner les bonnes recettes pour savoir bien accompagner un champagne avec des vignerons. Gourmandise. Voilà, exactement. Un produit très bien équilibré, très fin, pas trop d'acidité, pas d'amertume. Des bulles fines. Des bulles très très fines. Un caramel. Et là, on paraît, t'as une texture, mais elle colle pas aux dents. Tu sers ça, c'est... Alda, t'es sûr, ça marche. Tu es sur les mêmes acidités, tu es sur les mêmes accords et sur les mêmes amertumes. Là, ça met beaucoup plus en valeur, si tu veux, le... Champagne. Le champagne. Mais juste une petite question, qu'est-ce que tu l'appelles un champagne vigneron? Alors, les champagnes de vignerons, c'est une collectivité où il y a, je dirais, un groupe qui rassemble tous les vignerons de Champagne. Ils sont 5000 dans ce syndicat. Bon, bah écoute, si tu veux, je te laisse la bouteille. Eh ben écoute, je vais la finir. Moi, par contre, je vais emporter les chocolats et puis les pâtes de fruits qui restent. Allez, vendu. Et je vais partir chez un ami.